qui m'aide et très fière de participer à Monacologie 2010 cette année pour soutenir le développement durable et donc sensibiliser les enfants de la principauté à la préservation de l'environnement et au développement durable. Donc pour marquer notre engagement en faveur du développement durable, IMED a choisi d'éco-concevoir une animation pour les enfants, donc Biologica. Donc c'est un jeu, un planisphère où les enfants peuvent découvrir les espèces menacées sur la planète et donc les positionner en fonction de leur lieu de vie pour un petit peu comprendre l'impact environnemental finalement des hommes sur les espèces menacées. Donc pour IMED, l'engagement en faveur du développement durable et notamment auprès des enfants, c'est un engagement qui est très sincère. À ce titre, j'ai travaillé cette année à ouvrir une collaboration avec l'école française de Vintimille pour rallier un petit peu effectivement la France, Monaco et l'Italie autour des problématiques de développement durable et faire partager les enfants et entraîner les enfants à partager toutes ces problématiques environnementales, puisque ce sont eux qui, dans quelques années, devront travailler dessus. Par ailleurs, donc, je vais lancer pendant une monacologie une mini-étude auprès des enfants pour tester l'idée d'un concept de concours développement durable auquel ils pourraient participer en collaboration avec les entreprises, les associations et les institutions. Ainsi, une mini-étude auprès de leurs enseignants pour valider leur intérêt à participer à ce type de projet et puis aussi voir comment concrètement on peut mettre en place une démarche de travail pour accompagner les enfants à aller dans une dimension projet pour le développement durable et la préservation environnementale à Monaco.